Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, toujours avec mon rhume. Franchement, j'en ai marre parce que le matin, on a 5 degrés et l'après-midi, on en a 20. Donc, chaud, froid, ça aide pas. Mais bon, on va se plaindre, on a du soleil, il fait beau. Et il fait super bon. Donc, aujourd'hui, je viens parce que j'ai reçu un courrier. Mais alors, c'était pas un échange, mais alors de quoi je ne sais même plus. Je fais tellement d'échanges que je ne sais même plus. Donc, j'ai ça. Et aussi parce que il y a un mini tout petit haul Temu. Voilà. Pas très gros, tout petit. Donc, je commençais par le courrier. Donc, j'ai juste ouvert comme ça. Je n'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans. Hop, c'est vite. Ah, mais je sais, ça y est, c'est en regardant la pochette, c'est bon, je sais c'est quoi. C'est un échange organisé par Tiffany sur Instagram, les pochettes surprises qu'il y a tous les mois. Le concept, franchement, j'adore. Et là, c'était pour pochette surprise sur. Mais je ne sais plus. Petite girl. Rose, non. Non, sur les girls, je crois. Mais je sais plus. Enfin bref. Non, c'était une pochette au choix. Non. Oh bah je sais plus. Franchement, je sais plus. Enfin bref. C'est organisé par Tiffany tous les mois. Allez sur son Instagram, vous verrez. Tous les mois, elle organise la pochette surprise. Et il y a aussi un défi. Enfin, des filles. Un échange de Memory Dex qui est aussi organisé tous les mois. Va te falloir un Rolodex. Voilà. Elle organise ça tous les mois. Moi je trouve ça sympa. Donc en général, je l'ai fait. Je sais que le Rolodex, c'est en cours. Que j'ai fini d'ailleurs hier soir. Je sais plus qui a envoyé. Donc voilà. Donc déjà, nous avons le Memory Dex. Je vais faire attention parce qu'il y a des paillettes avec une petite poupette là. Donc voilà. Oh, il y a des paillettes qui tombent, dis donc. Pour sa petite Memory Dex. Ensuite, dans la pochette, alors tout dépend les thèmes. Hein. De ce que je me souvienne, qu'est-ce que j'ai pu envoyer? Il y en a, c'était sur le thème printemps. Enfin, il y avait plusieurs thèmes. Non, en plus, en général, je note les envois que j'ai à faire, mais je crois que comme là, c'était envoyé, je crois que j'ai retiré la page, il me semble. Non, oui, c'était. J'ai déjà. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, la pochette, c'est. Il y a le tuto sur la chaîne de Tiffany qui est C'est Créatif sur YouTube. Voilà. Le format de la pochette, c'est le même. Voilà, c'est comme ça. Après, on décore comme on a envie, du moment que ça se présente comme ceci. Donc, vraiment tout simple. Hein. Ça se passe en. Comme vous voyez, ça rentre dans une enveloppe sans problème. Et en fait, le principe, c'est on reçoit, on fait une pochette, on envoie tout ce qu'il y a besoin pour faire, on envoie la personne, et la personne, avec ce qu'on a reçu, moi, je dois créer quelque chose avec ce que j'ai reçu. Voilà. Donc là, je crois que c'était pour des tags, il me semble. Je sais plus. Donc, voyons voir. Hop. Oh, il est joli, le vélum. Donc nous avons déjà du vélum, comme ceci. Ensuite, nous avons un tag. La petite carte. Et, alors je suppose que ça doit être un mini-album. C'est collé, c'est quoi? Donc là, c'est collé. Je suppose qu'il faut enlever là. Non?
Bah si, faut. Je vais pas défaire là. J'aime beaucoup le petit napperon là. Ok, on a mis dedans, comme ceci. Donc là, nous avons des petites étiquettes. Attendez, faut que je me mouche parce que là, je commence à parler avec le nez, c'est pas possible. Voilà, me sens un peu plus. Donc, entre-temps, j'ai eu une pochette là. Avec. Oh, j'aime bien celui-là. Impatient pour tout ce qui est un peu licornesque, hein. Évidemment, la petite baleine, la petite corne. Donc, hop. Et ça fait comme un mini-album avec lequel on peut mettre des. Ça peut servir d'appuie-mêle, quoi. Ah, ça fait penser un peu à ce que je suis en train de préparer pour un prochain tuto. Bon, j'ai pensé remettre comme c'était. Là, nous avons encore deux étiquettes, With Love et You're Fabulous. Avec mon accent entre le je sais pas quoi et je sais pas quoi là. Hein? Nous avons un joli tag là. Ouais, si c'était pas une pochette. Donc c'est ça, c'est comme un mini album. Sont toutes mignonnes les petites étiquettes. Là, encore les petites étiquettes. Ah, j'arrive pas à attraper. Best wish et with love. Oh, il est mignon celui-là. Il est tout mimi. Donc voilà. Ah bah non, il est encore. J'avais point vu. Nous avons des petits pandas avec marqué Hello. Voilà pour un petit échange. Bon, là, j'ai pas assez, je remettrai après. Donc, oui, je vous conseille vraiment d'aller voir sur son Instagram à Tiffany qui c'est créatif, je crois. Ah, mais en fait, je crois que c'est créatif sur Instagram. Et créatif scrapbooking sur YouTube, il me semble. Donc voilà, allez voir sur son Instagram, vous verrez, tous les mois propose donc ces petits échanges que je trouve très sympa à faire. Et du coup, j'ai même pas montré le devant. Une petite étoile. Donc voilà, et c'est hyper simple à faire, très franchement. Donc voilà pour ça. Ensuite, ma petite commande Timur, il n'y a pas grand chose. Ah oui, je ne voyais pas si grosse. Ah bah ben, là oui, je peux remplir la bouteille là. Mais c'est très bien, parce que ça par contre je voyais plus gros. Donc bon. Ça, je voyais plus petit et ça, je voyais ça plus gros. Donc, du coup, parce que le mien est mort, hein, où je mets du scotch partout. Donc, j'ai recommandé, mais. Bon, c'est bien, c'est que ma bouteille, je la vide entièrement, c'est cool. Pas besoin d'y repasser 50 fois. Donc, voilà, parce que les embouts doivent être les mêmes, hein. Oui, c'est ça, les embouts c'est pareil. Donc voilà, ça c'est cool. Alors, les prix, je sais plus.
J'ai plus, mais en plus c'est dans mon téléphone, donc je serais incapable de vous dire les prix. Mais je crois que c'était même pas 5 euros, hein. C'était ouais, 3-4 euros, je crois, les 5. C'était pas. Enfin, voilà, le prix était intéressant. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris. Parce qu'à chaque fois, je les vois sur des tas de créations. Je trouve ça super joli. Désolé pour le bruit. Quick. Voilà. Donc du coup, je l'ai pris. Alors ça, c'est pareil, c'était pas bien cher. C'était 1 € et quelque chose, je crois. Donc je l'ai pris en doré. Et je l'ai pris du verre normal. En verre normal, quoi. Ah non, j'en ai. Et pour finir, je sais même plus ce que j'ai pris. Si j'ai pris, c'est que je devais en avoir besoin. Ah bah oui. C'est parce que la dernière fois, oui, je m'étais fait avoir, j'avais pris ceci et j'avais reçu cette taille-là. Donc non, ça ne veut rien. Il fallait les bijoux. Et moi, je voulais. Voilà, moi, je cherchais des pics. Non, pas des pics à barbecue, là. Pour les brochettes. Parce que c'est trop grand, c'est trop gros. Ceux-là, les pics à cocktail. Alors, franchement, je ne les ai pas payés cher. Oh, mais sauvé. Je crois qu'il y en a 15 ou 10, je ne sais plus. Je ne sais plus. 10. J'en ai 10 et je crois que c'était même pas 3 euros quoi. Comme ça, c'était 2 euros et quelques, il me semble. Donc, vous en avez avec des boules. Et vous en avez. Voilà. Avec des. Mais bon, même les boules, je m'en fiche un peu parce que bah, ça sera caché par la déco quoi. Mais j'en ai enfin! Donc voilà pour mon petit, tout petit haul Temu. C'est pas grand-chose. C'était surtout ça que j'avais besoin. Parce que dans toutes mes vidéos, on me voit en train de. Oh, ça coule partout. Nanana. Voilà, vous voyez, ça ressort d'ailleurs. Hein. J'ai mis un scotch beaucoup plus épais qui est plus résistant, mais ça commence à ressortir un peu. Et tout, à chaque fois que je fais un truc, je remets de la colle. C'est vrai que c'est pas très grand, quoi. Donc ce qui est bien, c'est que vu que j'en ai 5. Même pour celui-là que je suis constamment en train de remplir, parce qu'évidemment il est beaucoup plus petit, hein. Au moins chacun aura une grande bouteille. Ça c'est cool. Mais ouais, je les voyais beaucoup plus petits. Donc franchement, pour le prix que j'ai payé, bah, je suis contente de mon achat. Donc voilà. Voilà pour ce petit haul et cette petite présentation. Et bien sur ce, bah, je vous dis au prochain tuto. Ou prochaine présentation, je sais pas encore. Voilà, bonne journée, bye bye.